Good morning, allez, Iden et tu seras aujourd'hui les Nishmat, Rachamim ben Rosa Chaya bat Tova, ainsi que les Rufuat, Raphaël, Zevolon ben Chaya Malia, Myriam, bat Chassida, Do ben Yudit, et Sarah ben Betiruka, bat Rosh Hachol Israël. Si vous souhaitez, vous aussi, dans une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles, nous étudions la Sechet Bechorot, Perigvet Mishnah Tet. Yotzed Ofet Vaba Acharav, Rabbi Tarfon Omer, Shnem Yirou, Atcheista Avu. ויאחלו במומן לבעלים, רבי עקיבא אומר, שניהם אינן בכור. הראשון משום שאינו פטר רחם, והשני משום שקידמו אחר. On va à présent abandonner dans cette Mishnah un nouveau sujet. Dans la Torah, il y a marqué, קדש לי כל בכור, פטר כל רחם בבני ישראל. La Torah insiste que tu devras me sanctifier tous les premiers-nés qui ont ouvert la matrice de leur mère. Kadesh li, sanctifie pour moi, kol bechor, tout premier-né, un bechor, peter kol rechem, celui qui a été poter rechem. Poter rechem, c'est qu'il a ouvert la matrice de sa mère. D'où la question, un accouchement par césarienne, d'une part, est-ce qu'il, un premier-né, né par césarienne, est-ce qu'il faudra, est-ce qu'il y aura une gdoucha de bechor? Et à part ça, il y a même aussi la question réciproque. Une fois qu'il y a eu un premier-né qui est né par césarienne, et supposons qu'il n'était pas Bechor, celui qui va naître ensuite sera-t-il Bechor ou bien c'est trop tard? Il fallait les deux conditions, il fallait être premier-né et ouvrir la matrice. Et s'il y a un premier-né qui n'a pas ouvert la matrice, après il y en a un qui va ouvrir pour la première fois la matrice, mais qui n'est plus le premier-né, eh bien, il n'y aura pas de Bechor dans cette situation. C'est là la machloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon. On commence à expliquer Rabbi Akiva à la fin de la Mishnah, qui est beaucoup plus simple, qui va nous dire que dans un cas pareil, d'abord je traduis, non, excusez-moi, d'abord je traduis le premier mot. Yotzedofen. Yotzedofen, c'est celui qui sort par la paroi césarienne. En hébreu moderne, le mot Yotzedofen, c'est devenu un intrus. Ouais. En hébreu moderne, quand on parle, on dit que trouve l'intrus, trouve le Yotzedofen. L'origine du mot, c'est l'expression de Chazal. Le tzedophène, c'est quelqu'un, c'est quelque part, un intrus, c'est quelqu'un qui ne suit pas la ligne de conduite de tout le monde. Tout le monde régit selon une règle. Et lui, il a une autre règle. Donc c'est un tzedophène. Il sort par la paroi. Enfin, ça, c'est pour le côté linguistique. Concrètement, dans la Mishnah, le tzedophène, c'est celui qui est sorti par la paroi, donc par le ventre, et pas par la matrice. Et après qu'il y en a eu un qui est sorti par le ventre, eh bien, il y a aussi un autre qui vient derrière lui. Qui sera Bechor? Et sur ça, allez, on traduit directement Rabbi Tarfon, on reviendra ensuite dessus. Rabbi Tarfon Omer, Rabbi Tarfon nous dit, ben, Shneem Yeruach Istahavu, les deux devront paître jusqu'à qu'ils vont avoir un défaut. Et le propriétaire pourra les manger avec le défaut. Et on expliquera tout de suite après. D'abord, pour le moment, je m'intéresse à Rabbi Akiva parce que c'est plus facile. La halakha établie comme ça, Rabbi Akiva Omer, Shneen et non Bechor. Rabbi Akiva nous dit que les deux ne seront pas Bechor. Ni celui qui est né par césarienne, ni celui qui est venu après lui. Pour quelle raison? Arishon, Mishum Sheino Peter Rechem. Le premier, c'est parce qu'il n'est pas Peter Rechem, celui qui a ouvert la matrice de sa mère. Vacheni, Mishum Shikidemo Acher. Et le deuxième, parce qu'il y a eu quelqu'un d'autre qui l'a devancé. Il faut être Bechor, Peter Rechem. Premier-né qui ouvre la matrice. Si tu es le deuxième venu, mais qui va ouvrir la matrice, tu n'es plus un Bechor. Et si tu veux être un Bechor qui n'a pas ouvert la matrice, eh bien, tu n'es pas un Bechor non plus. D'accord? Ça, c'est établi comme ça. La Lachal est comme Rabbi Akiva, et c'est comme ça que ça se passe. Un accouchement par césarienne, un premier accouchement, mais il n'y aura pas de pidyon de ben, même pour les hommes. Maintenant, on revient un petit peu sur Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon, en fait, il a un doute. Il a un double doute sur la question. Est-ce qu'il faut nécessairement les deux comme Rabbi Akiva? Et donc dans ça là c'est sûr qu'il n'y a pas de Bechor. Mais peut-être que ça suffit d'être premier-né. Je ne sais pas, c'est pas précisé dans le Barthénora comment il a lu le Pasouk. Kadesh li kol Bechor, Peter kol Rechem. Peut-être, que, je suppose, mais je ne l'ai pas vu écrit, donc je ne veux pas m'engager. Tov, il rapporte un petit mot dessus. Que Bechor, Kadesh tu me sanctifieras tout Bechor, peu importe comment il est. À part ça, il y a aussi tout celui qui a ouvert la matrice de sa mère. Même si finalement il est venu en deuxième position, parce qu'il y en a eu un qui est sorti d'abord par le ventre. Donc Rabbi Tarfon, il a un doute très complexe. Peut-être qu'il n'y a aucun des deux qui est Bechor. Peut-être que c'est le premier qui est Bechor, pas le deuxième. Peut-être le deuxième, pas le premier. Peut-être les deux en même temps aussi sont
Non, ça, il n'y a pas de doute sur les deux en même temps. Ça, il n'y a pas de doute. Ça n'a pas été proposé. Et donc, dans le doute, qu'est-ce qu'il faudra faire? Eh bien, les deux, tu vas te conduire avec eux, comme si que ce sont peut-être des béchor. Tu devras t'abstenir de travailler, tu ne pourras pas les tondre, tu n'auras les laisser paître. Il y aura des touffes qui vont, si c'est des moutons, ils vont être des touffes de laine dessus. Ils vont vieillir comme ça sans que tu puisses les toucher ni les faire travailler jusqu'au jour où il va y avoir un défaut, il va devenir inapte à monter sur le misbéach. Dans ce cas-là, ça y est, tu as le feu vert, tu peux maintenant le consommer pour toi-même, tu pourras le faire la shrita et le manger pour ta propre consommation. Et bien sûr, entre parenthèses, c'est des Mishnah précédentes, mais il faudra dans ce cas-là donner aussi les parts qui reviennent au Kohen cette fois-ci. Bien évidemment, et dans le doute, parce que soit c'est tout le Bechor qui appartient au Kohen, soit il n'appartient pas au Kohen, donc il t'appartient à toi. Donc donne-lui au moins ce qui lui revient de droit, les Zoral Echem Keiva, ça c'est entre parenthèses. Et voilà, on a fini la Mishnah, c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov U'Salam.